C'est un poème yiddish traduit par Batia Baum de Jacob Glashten. Kibia. Colère, vengeance, fumée. Une petite troupe, meurtre dans les yeux. Saint de flèches et des pieux, dans la traîtrise de la nuit. Mes frères ont renié tout sentiment juif en eux et souillé le parchemin de ma vie. Mon Dieu de la patiente maison d'études. Difficile de pardonner un si funeste héroïsme, mon peuple de compassion, juif de tous les jours de ma vie. Je ne t'échangerai pas pour les plus grands arsenaux de vaillance, peuple de mon juste père, sur la terre de Pologne étrangère. De combien de bonté tu m'as instruit depuis mes années d'études au Cheder. Fierté mienne, élue, fermeté forgée dans l'exil. Ne te libère pas de mes quatre coudées d'équité. Ne te range pas dans l'universelle captivité aux chaînes de sang sur les mains. Mon ennemi, mon bras fort, sera aussi juste. Ne sera pas profané la parole juive. Le lieu où sera posée la pierre de paix sera solide comme le roc et pur. Et lorsque nous compterons tous ceux tombés au combat, nous guérirons les tristes blessures par la compassion, par cette foi sûre. Même sur le champ de bataille, dans la nuit obscure, violentée, nos fils doivent être des juifs lumineux, non des assaillants meurtriers, mais des défenseurs, vainqueurs, valeureux. Extrait de Virginia, 1888. Les feuilles frémissent sur la branche. Le soleil échoue à en diffuser l'or cliquetant dans les rues grises. C'est septembre. Ginia a 6 ans. On sort quelque peu du sépia. Le noir et blanc se précise, lentement, plus moderne et plus cru. Elle est dans le train, assise sur les genoux de sa mère qui a contenu les excès de sa beauté dans une robe noire à fleurs violettes et rouges. Des anémones peut-être. De grosses fleurs en tout cas, et qui flamboient. La femme et l'enfant font un triangle violet, un peu flou à nos yeux qui voient de loin. Les beaux yeux de la mère se ferment à demi, ses paupières font un battement de sainte dans le roulis de la rame. L'enfant est épuisé par leur journée, leur trajet, ses 6 ans, et s'endort à moitié dans les douceurs molles du tissu et des chairs maternelles. Parfois, un sursaut du train ouvre grand ses yeux et en faisant un effort d'ajustement, il nous est loisible d'apercevoir dans sa pupille le reflet des autres voyageurs. Ces humains que, tout en somnolant, le visage enfoui, elle observe, comme étant à la fois des étrangers et ses frères d'espèce, les rassurantes variations du moi humain, les millions de Mr. Smith et de Mrs. Brown. Elle ne sait que faire de ce bien-être qu'elle éprouve à se voir entourée de ses semblables, ces êtres qui paraissent occuper tout juste la place qui est la leur, qu'on leur a désignée comme telle, et qui leur permet de former la belle et bonne réalité. Pas plus qu'elle ne sait que faire de la minuscule fêlure dans ce bien-être,
de cette faille microscopique qui fissure la pupille, celle que nous pourrions deviner si nous nous penchions encore un peu plus. Les yeux dans le reflet desquels nous tentons de regarder le monde d'alors ont une couleur multiple. Ils vont du vert au noir en passant par le bleu. Soudain, une vision surgit qui n'a plus rien à voir avec le train ou avec Mrs. Brown, chapeau noir et souliers bruns, ou l'inverse, encore moins avec les chairs maternelles. L'enfant voit, l'espace d'un instant, se profiler l'image d'un château, d'un drapeau rouge et de chevaliers rouges de même, d'un rocher noir assailli. L'enfant s'autorise ces apparitions brutales, qui dans l'œil d'un adulte deviennent des démences. Peu à peu, le rouge s'apaise et s'étale. Le rocher et les cavaliers s'effacent. Et de nouveau, ce sont les fleurs de sa robe, de la robe. À ce moment-là, quelque chose pique l'enfant. Julia, sa mère, écarte la tête frêle de sa broche, qu'elle détache et serre dans son réticule. Les mères ont de ces prévenances désinvoltes, cruciales. Ginia, elle, est bien trop occupée à recevoir les sensations extérieures. Le monde la colonise en images morcelées qu'elle ne songe pas à assembler. Elle les accueille comme de violents moments d'être, une succession désordonnée de coups portés sur le bronze d'un gong. Des chocs qui sont dans l'ordre des choses, dans l'ordre du monde délimité de l'enfance, et qui ont bien le temps de perdre leur résonance pour se transformer en simples lambeaux de mémoire. La main de Julia s'est rapprochée du visage petit. Son œil, aspiré par l'opale laiteuse de la bague qui accroche la lumière déclinante en faibles échos, l'enfant s'assoupit. Elle a confiance, elle est sur les genoux de sa mère, le monde est bon. Les mots sont encore à peu près superflus et leur absence ajourne l'entrée au monde. Le silence de l'enfance est un sursis. Un extrait de « Ceux qu'ici-bas nous sommes ». La ville affecte la forme grossière d'une étoile à quatre branches. Entourée d'une enceinte sur tout son périmètre, elle possède quatre portes correspondant à autant de quartiers autonomes qui ne communiquent entre eux que par une place centrale. Les habitants peuvent s'y croiser le jour, ou même passer d'un quartier à l'autre, mais on ferme les accès durant la nuit, si bien que chacun doit réintégrer son clan avant le coucher du soleil. À l'extérieur des murailles, un puits artésien aménagé en réservoir d'irrigation alimente la palmeraie et les nombreux jardins cultivés alentour. Situés au sud-est, les vestiges de trois mausolées romains attestent une occupation antique dont on retrouve les signes à de nombreuses colonnes ou chapiteaux utilisés en remploi. Au sud-ouest, un lac salé bordé de palmiers se laisse deviner entre les dunes. Au nord-est, enfin, la silhouette d'un grenier fortifié domine la ville. Il me parut d'emblée l'objet incongru de toutes les vénérations. Je reviens à Zindan et à la distribution de ses quartiers. On notera que Bab el-Kelb, la porte du chien, donne accès au clan des trayeurs de chiennes. Bab el-Jambari à celui des mangeurs de crevettes. Bab el-Amazoun à celui des Amazones. Et Bab el-Sidr, la porte du jujubier, au clan de ceux-là qui s'estiment privilégiés de leur proximité avec l'arbuste en question, non loin du grenier que les quatre clans considèrent comme le temple commun de leur croyance. On les nomme familièrement ceux du jujubier, et ils ne sont pas peu fiers de cette prérogative. Si les habitants de Zindan durent s'affronter autrefois pour quelques raisons sérieuses, antagonisme qui peut seul expliquer l'isolement clanique de leur quartier, voici longtemps qu'ils ont oublié leurs différends, car ils se fréquentent sans animosité et ne se distinguent que par quelques tabous alimentaires. Ceux du jujubier s'abstiennent de consommer des crustacés, des jujubes et des animaux mâles. Les Amazones mangent de toutes les bêtes, à condition que ce ne soient pas des femelles.
mais s'interdisent l'ours et le cochon, ce qui n'est guère difficile puisqu'il n'y en a pas. Les mangeurs de crevettes se gardent de tout être vivant qui ne vienne pas du lac. Quant aux trayeurs de chiennes, ils refusent d'avaler ce qui ressemble de près ou de loin à leur animal fétiche, mais se régalent des petits fromages qu'ils fabriquent avec leur lait. Tous, en revanche, se nourrissent de leurs défunts et ne font pas mystère, comme nous le verrons sans tarder, de leur goût pour la chair humaine. Les héritiers légitimes de la terre. Le jour où je suis devenu propriétaire à titre perpétuel d'une parcelle dérisoire du globe terrestre, j'ai bien cru que mon avenir était assuré. Mais alors que nous coulions des jours heureux et autant de nuits, au mépris des titres de propriété, des clôtures d'épineux, de Chan le chien, du gouvernement et du monde entier, une multitude s'est invitée chez nous. Les premiers aperçus furent les passereaux et les papillons, des oiseaux de tout plumage, une nuée de coléoptères, les uns perchés dans les arbres et sur les plantes, pépiers à qui mieux mieux, les autres, d'une palette éblouissante de couleurs, voltés en tous sens autour de la maison. Je m'interrogeais sur leur présence. Qu'était-il venu faire ici? Quelle légitimité pouvait-il invoquer? Ils donnaient l'impression de se réclamer d'un droit originel. Leur comportement semblait dire « Nous étions ici, sur cette planète, bien avant la création de l'espèce humaine. » Si bien que je n'ai chassé ni les passereaux, ni les papillons. Puis ce fut le tour des corbeaux. Ils entraient dans la cuisine, chapardaient de la nourriture et s'envolaient. Deux d'entre eux, sans demander la permission à qui que ce soit, avaient même établi leur nid dans des cocotiers pour y couver leurs œufs. Puis sont venus les milans, animés d'intentions semblables, et des mangoustes qui se prélassaient dans les buissons de bambou et dans la broussaille inculte attenante. Des renards se tenaient à l'affût, déterminés à festoyer de nos volailles. Un jour à midi, par un soleil torride, j'arpentais le jardin distraitement, me demandant de quel droit tout ce beau monde occupait mes deux arpents. Les poules caquetaient, le chien aboyait, les oiseaux pépiaient à l'unisson. Soudain, je me suis retrouvée paralysée d'épouvante face à une créature sans pattes. Ni elle, une créature terrifiante. Devant moi se dressait un cobra. Tête levée, capuchon déployé dans une posture impériale, il semblait questionner mon droit à être là. Que devais-je faire à ce serpent? Et d'abord, que pouvais-je faire? Oh, noble ophidien! Lui dis-je. Tu n'es pas admis à demeurer ici. Retire-toi sur le champ de ces deux arpents qui m'appartiennent en propre. Mais où pouvait-il aller? Les propriétaires voisins, le voyant sur leur terre, n'allaient-ils pas le tourmenter? Les représentants de l'espèce humaine, à une belle unanimité, s'étaient appropriés morceau par morceau la quasi-totalité de la planète. Quelle alternative laissait-on aux oiseaux, aux mammifères, à tous les autres êtres vivants? Où pouvait-il aller? Ce cobra, en l'occurrence, qu'allait-il faire? Alors je décidai de le laisser vivre comme bon lui semblait, circuler, là où il le voulait, de faire comme si je ne l'avais pas vu, pas entendu, mais Seigneur, ce venin mortel. Extrait des héritiers légitimes de la terre de Vaikom Mohamed Bachir,
traduit du Malayalam par Dominique Vitalios dans Apulée numéro 5. Anna Cristina Sierra, poète sarde. Après la dernière flèche, sous cette bruine compagne de ce début d'automne, j'entends bruire encore des pas d'olivier. Et en laissant au seuil de la rencontre les ombres vengeresses du tourment, je m'assieds pour chanter en cette nuit qui a goût de fleuve. Certes, à mille faux, et tempère mille dards. Après l'ultime flèche, restera-t-il un lieu pour la parole? Je ne sais. Je ne comprends pas si le printemps a laissé quelques traces, et si, près de la cabane, il y a encore une place pour l'étranger et de la laine pour lui tisser une couverture. Les dernières hirondelles s'effraient en observant leur nid et le vol de leur compagne déjà lointaine. Dans leurs yeux, ce besoin de mer, et dans leur cœur, le ciel, la toile de l'araignée de la fileuse. Quelques petits extraits de la scène. La vie, c'est cela peut-être. Une ombre qui s'allonge sur le seuil. Une cour chauffée au soleil, abritée d'arbres hauts. Le vent qui frappe à la porte. Et l'attente. J'ai attendu. Longtemps. Et puis un jour, j'ai décidé de prendre le chemin de l'enfance, d'y retourner chercher tout ce que j'avais perdu là, éparpillé, en vrac, en tas, dans le plus grand désordre, pour ne plus rien y laisser. J'ai décidé de tout reprendre, de tout dénouer, de tout raconter par le menu. J'avance depuis des heures, des mois, des années. Je suis en marche. Je traverse des villages engourdis, aux ruelles calmes, éblouissantes dans le soleil de midi, des bourgades sans éclat où l'ennui suit son cours, des forêts sombres où filtre une lumière laiteuse, des vallées creuses, humides, des villes bourdonnantes. Et cela se répète. Les sentiments de conquête et de perte alternent, mais je suis traversée par des ondes ascendantes. Quelque chose bouge, des frissons doux m'agitent, et le désir de vivre persiste. Je suis en chemin. La Seine est la face sombre de mon enfance, son recoin caché, obscur, dont les ondes ravageuses se sont insidieusement propagées dans mon corps, mon âme, jusqu'à entamer mon insouciance, ma vitalité et le profond sentiment d'espérance qui m'habitait. Elle a cohabité avec la face lumineuse de cette même enfance, ardente et joyeuse de l'autre côté du miroir. Je vivais entre ces deux lieux que j'occupais tour à tour. À la sortie de la maison familiale, un sentier de terre filait vers la droite, toujours boueux, marqué des empreintes du bétail qui passait là. Son sol noirâtre contrastait avec le vert tendre des prés et les taches jaunes des champs au loin. On l'appelait le chemin noir. Et s'il nous était familier pendant la journée, son nom prononcé la nuit suffisait à réveiller nos peurs. Au-delà du territoire connu, arpenté, il conduisait vers un pays mystérieux. Nous avions l'interdiction de nous y engager seuls et imaginions que l'emprunter signifiait enlèvement, disparition ou au mieux égarement dans la campagne. Parfois, le cœur battant, seul sous le grand soleil d'après-midi, il m'était arrivé de faire quelques pas
sur le chemin noir. Mais la nuit, il venait souvent occuper mes rêves. Il s'obscurcissait affreusement et me conduisait vers des mondes dont je pensais ne jamais revenir. Il finissait toujours par me ramener vers la bienheureuse lumière de la chambre et la chaleur de mon lit. Le voyage vers le cœur de l'enfance, là où s'est construit le noyau dur et compact de ce que je suis, est entamé depuis longtemps maintenant. C'est de l'enfance que date mon insurrection et mon refus de plier. Il me garde vive. Oui, c'est bien la même, celle qui bâtissait inlassablement des châteaux de sable sur les plages d'été écrasées de soleil, celle qui dérapait sur son vélo dans les gravillons, celle qui courait éperdue dans les escaliers d'un immeuble et celle qui marche aujourd'hui dans les rues désertes, traverse des villages engourdis, des bourgades sans éclat, des vallées creuses et humides, des villes bourdonnantes. Portée par le désir de mettre à l'épreuve l'immensité de la vie, je marche à grands pas. Mes foulées s'allègent au fil du temps, et je sais que le chemin est pavé de mots. Tout est consenti. Je m'abandonne à l'oubli, au silence. Le corps repu de paysages, de pas posés dans les chemins, un ciel immense dans les yeux. Je suis parvenue à l'enfance. Je peux m'asseoir, enfin, le cœur tremblant. Me taire sera ma récompense. Un extrait d'Apulée numéro 4, Traduire le monde. Je demande asile. Le mort aux dents du départ. Toutes les 63 secondes, un humain fuit une menace dans le monde. 250 000 km de frontières terrestres et 40 000 km de murs de protection lui barrent la route. Pour ceux qui dépassent et parviennent dans l'espace Schengen, on parle souvent de l'accueil des réfugiés comme s'il s'agissait d'un geste unique, temporel, spontané. Ouvrir la porte et tout est réglé. Le droit d'asile est l'un des sas d'entrée légale. C'est le chat d'une aiguille. Le temps de la procédure administrative, les exilés cessent d'être des clandestins. Ainsi avance la machinerie du droit des étrangers. La répétition. Ses lèvres remuent, les yeux au ciel. Est-ce qu'elle prie ? Non. Elle répète sa partition, s'arrête, reprend le fil. Elle croit en son sésame parce qu'elle l'a acheté. Pourquoi ? À l'origine fut un récit, couronné du statut désiré, celui de réfugié. Par foulage, le récit est devenu une matrice de cent autres, calqués, raboutés, mis en bouche, au petit bonheur la chance. J'appelle le dossier numéro 1. L'audience est publique, le rideau administratif se lève, le rapporteur l'ouvre par les mêmes mots. Madame ou monsieur a quitté son pays, à l'appui de sa demande, elle ou il soutient que. Face au juge et sa rationalité, s'improvise une métronomie de la parole, entre demandeur, interprète, juge, avocat, à peine une heure et c'est plié. Il y a ce qui dit la voix, il y a ce qui est traduit, il y a la langue des corps ou le devisement qui infléchit la grammaire protocolaire, à l'œuvre en wolof, en soussou, tigré, tigrinya, en ourdou, en pachtou, tari, kurdzaza ou kurmanji, en peul, en ouïghour, en arabe soudanais, bengali, amharic, rohingya, en lingala, kikongo, bambara, créole, en tchétchène, albanais, farsi, tamoul, en araméen, et même la langue des signes pour les exilés sourds et muets. Un oratoire en 120 langues et dialectes. Koulounia, Katiba, Ninja, Chimère, Janjaweed, Taliban, Sheikh, Khan, Omda, Oulema, les noms en VO de périls invisibles et visibles. Enfants sorciers, cultistes, sacrifices, mutilations rituelles, tabous, mauvais sorts, mafia, vendetta, rapt, mariage forcé, genre malmené, procès controuvé.
Dette, dot, touche-manie, gacha-cha, juju, gang, loyauté de clan, rivalité tribale, crime d'honneur, le juge se prononce sur tout. Poème de Abdelkader al-Jazairi. أيا أنا من أكون إن لم أكن أنت ويا أنت من تكون إن لم تكن أنا Qui suis-je si je ne suis pas toi Qui es-tu si tu n'étais pas moi فيا نورا بلا شمس ويا شمسا بلا نور ويا بحرا بلا حد وساحلا بلا بحر ويا فجرا بلا ليلة Tu es la lumière sans le soleil, et le soleil sans la lumière. Tu es l'océan sans le rivage, et le rivage sans l'océan. Tu es l'aube sans la nuit, et la nuit sans l'aube. Ya hayrati, ya dahshati, laqad hayartani, hatta fi hayrati wa fi amri. Tu es mon incertitude et mon étonnement. Tu m'as rendu perplexe dans ma propre incertitude et mon existence. Chant populaire pour la Corée de Nazim Hikmet. À Ankara, j'ai mangé des fruits frais. Je n'ai pas mâché en vain ce monde trompeur. À Ankara, brûlé mon matricule. Dites-le à ma mère que ma mère pleure. Katis m'a promise, porte le deuil. Mon salut est venu d'Ankara. Devant Kunuri, l'apocalypse s'est déclenchée. À qui confier mon Atis ? Dites-le à ma mère que ma mère pleure. À part ma mère, que les autres fassent semblant. J'ai pris le train, il secouait. Ce monstre de docteur ne m'a pas accepté à l'hôpital. Tu vas te remettre, il m'a renvoyé. Dites-le à ma mère que ma mère pleure. Mon père a un fils, qu'allez-vous me faire ? Entre ton Ankara et cette foutue Corée, tremble les nuages de poussière. Cette blessure est mortelle, rien à faire. Dites-le à ma mère que ma mère pleure. Mon père a un fils, qu'il pleure lui aussi. En Corée, il y a des chaînes partout. Nos cadavres ont nourri les loups et les rapaces. Qu'elle pleure à gros sanglots, à Atis, ma promise. Dites-le à ma mère que ma mère pleure, que la promise au voile blanc porte le deuil. Creusez bien pour que ma tombe soit belle, que les tulipes, les jacinthes y fleurissent. Si je meurs, qu'on initie mon Atis. Dites-le à ma mère que ma mère pleure, qu'elle pleure et que son cœur soit brisé. Traduction du turc par Timur Muhyiddin. Et c'est extrait d'Apulé 4. Salaouda, nous sommes de ce monde. Nous sommes de ce monde. Et nous voulons y élire demeure. Enfin, que ce monde soit aussi le nôtre. Et vous aussi, soyez des nôtres. Soyez donc des nôtres, enfin, et qu'il en soit ainsi, toujours, le monde, le même et toujours différent, sans cesse, toujours. Nous l'apprivoisons, le monde, nous l'approchons sur la pointe des pieds, de peur de réveiller ces démons, ces vieux démons,
raviver ses blessures, le souvenir encore vif des destins saccagés, des vies livrées à l'opprobre, à l'œil aveugle du temps. Mais nous y entrons aussi, parfois, par effraction, voire souvent, comme des clandestins, des parias, des voleurs, des sans-papiers, des sans-pays, des sans-nom. Nous voulons en fait le pain et la parole, et le feu. Nous voulons nous réchauffer au feu de l'hospitalité, au feu, nous brûler au feu de la rencontre. Nous cherchons à nous loger. Nous voulons loger dans ces cimes, les cimes du monde, et dans ces bas-fonds, dans ces misères aussi, dans ces splendeurs. Loger en son centre et dans les périphéries de ces déshérences. Mais le monde est petit pour nous, trop petit, pour tout, pour notre immense besoin de mémoire, pour notre soif d'histoire, de justice, de dignité, pour abriter nos amours brisés, soigner nos blessures, donner un sens à la terrible interruption de la trame, au chaînon manquant. Nous habitons le monde, et le monde nous habite. Dans le tumulte et la disgrâce, le renoncement, le reniement, la perte. Proposition pour rendre les guerres moins coûteuses et moins longues. Les habitants de la Zambélie étaient en guerre contre les habitants de la Goranie. Comme ces deux pays n'avaient pas de frontières communes, leurs armées, pour arriver à s'affronter, devaient traverser d'autres pays qui se voyaient ainsi contraints à se mêler à une dispute qui leur était étrangère. Toutes les nuits, des avions de la Zambélie venaient bombarder la capitale de la Goranie et les avions de la Goranie allaient jeter leurs bombes sur la capitale de la Zambélie. Ces opérations demandaient une préparation
et des efforts considérables. À chaque nouvelle entreprise de l'assaillant correspondait une nouvelle défensive du pays attaqué. Souvent, les avions de la Goranie ou ceux de la Zambilie qui étaient allés attaquer la capitale adverse étaient décimés avant même d'avoir atteint leur objectif. Et pendant que les combats se poursuivaient dans les airs, les armées des deux pays se frayaient avec peine un chemin à travers les États intermédiaires. Pour parvenir enfin au pays ennemi, elles étaient obligées de livrer bataille aux armées mêmes de ces pays dont les intentions n'avaient jamais été belliqueuses, mais qui se voyaient entraînées en quelque sorte à leur insu dans le conflit. Les mois, les années se succédaient et aucune décision n'intervenait. Ainsi, en ce qui concerne les attaques aériennes, ne serait-il pas plus efficace et moins coûteux que les avions de chaque pays bombardent leur propre capitale? Les gouvernements des deux pays pourraient s'entendre pour que les escadrilles aériennes de la Zambilie bombardent la capitale de celle-ci et que les escadrilles de la Goranie bombardent leur capitale à elles. L'efficacité des bombardements serait hors de doute, du fait que les aviateurs connaissent bien leur propre pays, n'auraient plus aucune hésitation pour toucher leurs objectifs. Les destructions seraient donc rapides et sûres. Ainsi, la guerre serait plus courte. Les deux gouvernements n'auraient plus qu'à fixer les heures respectives de leurs auto-bombardements. Et cette guerre éclair, dans cette guerre éclair, chacune des deux aviations tenant pour un point d'honneur le fait de causer le plus de dégâts à son propre pays. Une proposition d'Hilary Voronka dans Apulée numéro 3. La castration mentale de Bernard Noël, c'est une page qui est déployée dans le dernier entretien qu'il nous a donné dans Apulée 5. L'espace dans lequel nous pensons librement est de toute évidence le seul lieu qui vaille vraiment la peine d'être contrôlé. La nouvelle oppression a entrepris non seulement de le contrôler, mais de le détruire parce qu'elle n'a plus aucune illusion sur l'efficacité d'un éventuel contrôle. Pour cela, elle a inventé une machine idéologique qui influence les mentalités de manière à les transformer imperceptiblement de l'intérieur même de leur comportement. Il s'agit de susciter une adhésion consensuelle qui dissolvent la possibilité même de lui résister. Le modèle de la fabrication de ce consensus lui est fourni par la religion. Sauf que la religion comblait positivement cet espace mental où le libre-échange a besoin, au contraire, d'installer un vide négatif. L'invention géniale de la religion fut d'imposer l'extériorité de la foi comme sens intérieur et par là, de déposséder les individus de la maîtrise de leur intériorité. La religion offrait en compensation un sens suffisamment universel pour que le sujet soit comblé par sa pratique en même temps qu'il y trouvait le support d'une solidarité sans limite. C'était là un extraordinaire consensus spirituel susceptible d'unifier tous les hommes dans leur soumission au divin. La volonté du libre-échange est de provoquer une soumission analogue, mais dans l'unique but de soumettre l'ensemble des productions humaines aux lois de l'économie. Le libre-échange ne peut plus avoir recours à la religion parce que son culte exclusif de la marchandise et de la quantité est la négation sans appel du sentiment religieux.
Il lui faut pourtant déclencher une adhésion comparable afin d'éviter les conflits sociaux qui sont pour lui une perte de temps, d'éviter aussi les conflits guerriers qui risquent de mettre son ordre en péril et d'en retarder l'instauration mondiale. Le libre-échange sait que la propagande est incapable de lui procurer une adhésion sans appel, parce que la propagande ne sert qu'au remplacement d'une opinion par une autre. L'adhésion parfaite qui lui est nécessaire ne peut résulter que du remplacement de la pensée indépendante et personnelle par un système extérieur, mais si bien assimilé qu'il donne l'illusion d'être issu du plus intime de l'individu. Dès que la religion cesse de fournir le sens dominant, les activités culturelles occupent peu à peu la place dont elles se retirent. C'est évidemment dans le mouvement de ces activités, dès lors réintégrées dans le corps social, qu'apparaissent tous les réseaux de résistance à une nouvelle spoliation. D'où que le libre échange en arrive, très vite, à valoriser la culture, mais à sa façon, qui est d'en faire une marchandise, en la captant au moyen d'un système de diffusion qui lui en assure le contrôle. Dès lors, sous le vernis d'une culture libre et universelle, il va s'agir de s'emparer à la fois de la totalité du champ culturel et de la totalité de l'espace mental des acteurs culturels transformés en simples consommateurs. Le mécanisme de cette transformation est si simple dans son principe et si quotidien dans son exercice qu'il reste inaperçu dans le moment même où il entre en action. On peut donc le résumer de la façon suivante. Tout acte culturel exigeait depuis toujours un certain effort, effort de compréhension, d'apprentissage, d'écoute, dont le mouvement conduisait à l'échange et au plaisir. La consommation culturelle n'exige au contraire qu'un peu de passivité. Le spectacle y tient lieu d'activité mentale, une activité qui n'est que de l'agitation et qui aboutit peu à peu à décourager la réflexion au profit d'un appétit dévorateur de son propre non-sens. Il suffit de s'asseoir devant un poste de télévision et de regarder. Alors tout naturellement, ce que vous regardez vous entraîne dans son mouvement et devient votre pensée. Récemment, j'écoutais une pièce de Sophocle, Antigone, et quelque chose soudain m'a saisi. Pensant au vieux destin qui plane sur le théâtre occidental, je me suis dit qu'il avait eu pour manifestation le droit de vie et de mort. Le pouvoir avait pour preuve de sa qualité absolue le droit de condamner à mort. Le pouvoir médiatique institue un tout autre absolu qui va devenir sa preuve universelle. C'est le droit de dispenser la mort mentale. L'image est le bourreau délicat qui crève les yeux mentaux sans crever les yeux physiques. C'est que les décervelés sont désormais beaucoup plus rentables que les cadavres parce qu'ils sont de serviles, excellents consommateurs. En cet été de ses 20 ans, elle se prête en digne britannique de bonne condition à une séance de photos. Charles Walter Beresford, comme il fige la politique en photographiant Lloyd George à peu près au même moment, fige à jamais la littérature dans la jeunesse de ce portrait. Nous ne pouvons nous retenir de le comparer avec celui de Julia, au même âge. Le chignon de Virginia laisse échapper 1000 mèches. Rien ne tient sur cette tête qui bouillonne, tandis que le crâne de Julia est parfaitement découpé par deux bandeaux très lisses de cheveux blonds. La littérature se repaît de ces contrastes. C'est septembre et ce soir, hélas, c'est réception. Bien que toujours un peu à l'écart, elle découvre par bribes dans ses soirées ce que signifie séduire, l'agaçante attraction du viril. Même si elle cerne brutalement son prochain et n'est pas victime de ce défaut si courant chez les jeunes femmes qui consiste à se fier par principe à ce qu'affirme autrui, reste qu'elle est une jeune vierge, comme il faut, de la bonne société anglaise. Quelque chose lui échappe toujours des relations qui se jouent là, mais elle s'y plie, pour complaire à George, son grand frère, et parce que mine de rien, l'obsession maternelle du mariage a laissé sa marque.
Elle se force à se regarder dans un petit miroir de poche en public, sans aller jusqu'à se poudrer, à pincer les lèvres pour montrer qu'elle est une vraie jeune fille qui n'attend que d'être auprès d'un homme, une femme en devenir, débordant de promesses amoureuses, et non la vieille fille qu'elle commence à craindre de rester. À moins qu'elle ne craigne surtout de ne pas assez le craindre. Elle craint bien, en revanche, l'ennui des réceptions et n'a de goût que pour les soirées déguisées. Ce lui est un argument irrésistible que cette tendance de l'époque au costume, voire au canular, cette possibilité unique d'habiter un corps autre. Mais même là, elle sent, une fois rentrée chez elle et au moment d'ôter dans sa petite chambre les attributs de la mondanité, un dégoût terrible d'elle-même. Les costumes sont pathétiques, d'ainsi reposer, désincarnés sur le dossier d'une chaise ou le cintre d'un valet. Une fois l'habit retiré, le miroir remisé et les lèvres détendues, la vie redevient un chaos de feu et de fumée qui se cache derrière les tasses de chocolat et les flûtes de champagne, les tranches de pain beurré et les porcelaines. Mais pour ce soir, George a insisté. Il est intraitable. Il a même obligé Virginia à quitter, la jugeant trop ordinaire, la robe qu'elle s'était fait fabriquer pour l'occasion. Virginia est blessée au plus profond, car la surface des choses a ses abysses, de ce qu'il a critiqué le choix d'un tissu vert. Elle aime le vert. Toutes ses nuances, plus ou moins heureuses, elle en use et abuse, ça lui vient de l'enfance, au même titre que sa haine du rose. Elle éprouve de manière générale une détestation envers la nécessité de se vêtir. Celle de se changer pour un simple dîner lui est une occasion de conspuer sa classe et ses rituels. Elle ne parvient pas au grand désespoir de George à s'intéresser à ce qu'il lui faudrait porter dans ses soirées, ce qui n'empêche pas la moindre critique sur le sujet de la blesser mortellement. Ce n'est pas parce qu'elle prétend n'accorder aucune attention à ses atours qu'elle tolère qu'on les dénigre. Las razones del viajero. Les raisons du voyageur. Está solo. Il est seul. Para seguir camino se muestra despegado de las cosas. No lleva provisiones. Pour continuer sa route, il se dit détaché des choses. Il n'a pas de provisions sur lui. Cuando pasan los días y al final de la tarde, piensa en lo sucedido. Quand défilent les jours et qu'en fin de jour d'après-midi il pense à ce qui s'est passé, le touche seulement cette sagesse imprévue de celui qui a pu vivre sa vie, dans le sûr hasard de sa conscience, comme ça, naturellement, sans dettes ni drapeaux. Una vez, dijo Amor, se poblaron sus labios de ceniza. Une fois, il a dit Amour, et ses lèvres se sont peuplées de cendres. Dijo también mañana, con los ojos negados al presente, y solo tuvo sombras que apretar en la mano, fantasmas como saldo, un camino de nubes. Il a dit également demain, avec ses yeux qui reniaient le présent. Et il n'a eu à serrer que des ombres dans sa main, des fantômes en guise de solde, un chemin de nuages. Solitude, liberté, dos palabras que suelen apoyarse en los hombros heridos del viajero. Deux mots qui tendent à s'appuyer sur les épaules blessées du voyageur. De todo se hace cargo, de nada se convence. Sus suelas tienen hoy la quemadura de los sueños vacíos. Il s'occupe de tout, mais convaincu de rien. Ses empreintes ont aujourd'hui la brûlure de ses rêves vides. No quiere renunciar. Il ne veut pas renoncer. Para seguir camino, acepta que la vida se refugie en una habitación que no es la suya. Pour continuer sa route, il accepte que la vie aille se réfugier dans une chambre qui n'est pas la sienne. La luz se queda siempre detrás de una ventana. La lumière reste toujours derrière une fenêtre. De l'autre côté de la porte, il écoute parfois les pas de la nuit. Il sait qu'il est nécessaire d'apprendre à vivre dans un autre âge, un autre amour, un autre temps. Tiempo de habitaciones separadas. Le temps des chambres à part. Un poème de Luis García Montero. Traduit de l'espagnol par Jo Portante et extrait d'Apulé numéro 4, Traduire le monde. Retour à Zindan.
Un jour que j'étais assis place du Mûrier, concentré sur mes notes et mes dessins, un silence inaccoutumé me fit lever la tête. Tous les regards étaient tournés vers moi. Marouchka Matlich, doigt tendu, me désignait. C'était mon tour, semblait-il, d'aller m'asseoir auprès de Hadj Hassan. Je n'avais guère le choix, mais cela faisait partie de mon travail, et j'étais curieux de ce que le bonhomme allait pouvoir inventer pour me convaincre de ses pouvoirs. Tandis que je me levais, un vieil homme plaça dans mes mains une petite corbeille remplie d'offrandes rituelles. Hadj Hassan me fixa droit dans les yeux. Rien n'altéra son visage disgracié, ni l'espèce de sourire biscornu qui laissait voir sa dentition. Aucun rayonnement de sagesse, nulle irradiation de sainteté, rien, sinon cette immédiate sensation d'anesthésie lorsque ses doigts se posèrent sur mon épaule. L'effet d'une péridurale, j'étais conscient de tout, sauf de mon corps, incapable de bouger, de parler ou de coordonner volontairement le cours de mes pensées. Une tablette de cire tout entière dédiée au bonheur de recevoir. Pas assez néanmoins pour ne pas m'étonner que Hadj Hassan se mit à relater la naissance d'Alexandre de Macédoine. Qu'on soit homme ou femme, je le suis par la suite, c'était toujours l'histoire extraordinaire et vraiment merveilleuse du roi Alexandre qu'il racontait. Mais une histoire adaptée, remodelée, dont chaque étape correspondait dans le moindre détail à l'existence du consultant. Dans mon cas, le grand Alexandre était né en 1949 à Hambourg, d'un père banquier et de l'héritière d'un riche négociant en perles. Il pesait 4 kilos, malgré deux circulaires de cordon autour du cou, etc., etc. Cet homme connaissait tout de moi, depuis mes terreurs d'enfant ou mes premières amours, jusqu'aux mésaventures qui avaient précédé mon arrivée à Zindan. Les dates, les lieux, le nom de mes amis, celui de certains camarades de collège pourtant oubliés, mes espoirs et mes craintes, mon attirance déçue pour Adélaïde, l'incompréhension du monde où je me trouvais, tout était parfaitement exact dans le long résumé qu'il dressa de ma vie d'une voix monocorde, chaude et bien posée. Que dire d'autre, sinon qu'il termina en exprimant mes propres doutes le concernant. Pas de jugement, nulle admonestation, aucune tentative pour me convaincre. Alexandre était assis sous un mûrier, la voix se fit entendre, mais il ne vit personne et s'en alla. Cela dit, Hadj Hassan retira sa main de mon épaule et je me sentis délivré de son emprise. Durant tout ce temps, j'avais gardé sur mes genoux la corbeille d'offrande qu'on m'avait donnée. Dans le silence qui suivit les dernières paroles du chaman, je vis s'élever lentement les petits fromages qu'elle contenait. Ils s'organisèrent autour de sa coiffe, tournoyant comme des planètes sur une sphère armillaire, puis revinrent à leur place initiale. Malgré ce qu'en disait l'encyclopédia, personne ne l'avait jamais vu se livrer à cet exploit. Un murmure s'éleva. J'avais été choisi. Marouchka Matlich prit la corbeille sur mes genoux, et tandis que je m'éloignais, je perçus très distinctement dans mon dos la brûlure de son regard. Quelques poèmes de Légère et la vie parfois. Il existe des lieux de songe, des lieux clairs et secrets où se fabrique l'imaginaire.
Il existe des lieux sauvages où une langue intime nous tire de nous-mêmes. Des lieux qui nous entraînent sur des chemins imprévus, nous relient à la présence invisible du monde. Il existe des lieux bouleversants qui guérissent et qui sauvent. Des lieux par lesquels se consoler de notre condition. Se hisser aux extases du vertige pour retrouver le noir, la source profonde et vive. Revenir aux origines, à l'enfance, lieu des merveilles, fuite qui ne daigne plus bouger. Se montrer au moment de disparaître, monde offert qui se refuse. Déchirant sentiment d'un grand âge, renaissant. Rejoindre la constellation d'alliés pour habiter ensemble la solitude de l'écriture. La joie explose. Lumière intérieure qui se déverse au grand jour, se répand en gouttes claires. Une étoile filtre dans le regard. À surprendre son éclat, on se sent troublé. On croit toucher le secret du monde. Ce lointain message, parfois lancé jusqu'à nous. Rien ne bouge sous le souffle chaud du vent. Tout n'est que paix terrifiante. Aucun bruit. On pourrait entendre chuter un grain de riz. Je sais qu'il est trop tard pour le cri que je ne lancerai pas. Restent les mots qui inventent la disparition des formes. J'avance vers ce qui ne m'attend pas. Apulé numéro 5 sur les droits humains, Yémen, elle aime Dieu. Sanaa, capitale du Yémen, un homme renversé dans une brouette de métal, les quatre membres inachevés. Il a été déposé à l'ombre d'un porche, une sébile à terre. Sa moustache semble finement taillée, son regard convalescent saisit celui de chaque passant. Quand reviendra-t-on le chercher ? Sur la route, nous traversons des villages entiers sans rencontrer une silhouette féminine. Elle ne communique que par les terrasses. Il y a une quinzaine d'années, dit l'interprète, on ne vivait pas ainsi. Alors nous étions authentiques. Innocent. Il hésite sur les mots. On l'appelle encore l'Arabie heureuse. Jadis, la province d'Al-Baïda était partagée entre Yémen du Nord et Yémen du Sud marxiste. Elle aime Dieu. Elle l'aime plus que moi. Le jeune candidat vit l'heure du désarroi. Il a rejoint le parti de la réforme, Al-Isla, allié aux socialistes du parti socialiste yéménite, né à Aden, et affilié, dit-on, aux frères musulmans d'Égypte. Ses sœurs lui ont donné leur voix au municipal, c'est leur devoir. Mais elles sont restées loyales au président Ali Salé pour la présidentielle. Ton parti, il transformera le pays en Irak ou en Afghanistan, tu verras. C'est ce qu'elle lui répète chaque soir à la table du dîner. L'exemple vient du père. Le candidat approche l'index de ses lèvres pour recommander le silence. Il ouvre une porte. Dans la chambre du vieux père endormi, la couverture se soulève régulièrement. Au-dessus du lit, un portrait, celui du Raïs, le président Ali Salé. Le jeune candidat dirige un laboratoire d'analyse médicale à Al-Baïda. Sa femme dévote, rencontrée à l'université, s'anime à l'évocation de leur séjour en Arabie Saoudite. La contrition est partout dans sa vie, un idéal qu'elle désire accomplir à deux, jusque dans l'intimité. C'est difficile pour moi, très difficile.
Elle est mal là. Elle l'aime plus que moi, répète le candidat. Je dois vous inviter à l'islam, pour elle. Poursuivons sur la côte de Zinjibar qui mène à Aden. Le sable de cristaux gris en fait une plage morne. Rimbaud n'y trouverait pas ses couleurs. Zinjibar deviendra le siège d'Ansar al-Sharia quand d'autres puissances se rendront maîtres des lieux. Ils en feront des châteaux de sable où étouffer la voix des peuples. Deux poèmes. Le premier est de Malek Haddad, homonyme du Ber Haddad. Poète, mon ami, rendons le cœur intelligent et donnons du cœur à l'intelligence. Je veux des volcans raisonnables. La frénésie est une calvitie de l'esprit et de l'affectivité saine. Tu trempes ton stylo dans les ruisseaux qui charrient le corps gonflé et répugnant des serpents ennemis, des eaux claires qui chantonnent. Ton encrier, c'est la source, la totalité de l'homme. Dans le dernier dictionnaire et dans la dernière anthologie, le mot héros s'appellera un homme. Je connais ton stylo autant que nos enfants, autant que notre gentillesse. Je connais ton stylo autant que l'état d'urgence, autant que nos amis, autant que le rhumel aux sanglots barbares et chauds. Je connais Kateb Yassine et sa richesse historique. Je connais Kateb Yassine renouvelant son savoir de vivre dans un cadavre que seuls les imbéciles ont encerclé. Et cette volonté bonne de Mohamed Dib, bonne comme une bonne leçon. Je connais Roland Doukhan dans le rêve dépassé de beaucoup nos espérances quand il disait « J'ai rêvé d'un pays qui serait un poète ». Et que Raz aux chansons à venir, et Mohamed El-Rid, qui connut la prison pour avoir été à la hauteur d'une langue en colère, et Jean Sénac, bourré de talent et de scrupules, plus fidèle à sa patrie algérienne qu'aux acrobaties du stylo. Je connais tout cela. Vestons Gilles là-bas, ils sont tous présents, et ils nous disent, nous sommes tous disponibles. Le deuxième est de Hamid Skif, fugitif. Je veux que l'on se souvienne, non pas de moi, non, non, mais de ce qu'il m'aura fallu accomplir pour me faire entendre. J'ai voulu rester moi-même en refusant le prêt-à-penser et le conformisme. Je me suis si souverainement conformé à cette pratique que j'ai connu souvent le ridicule. Mais n'est-il pas héroïque de vouloir rester soi-même dans un monde où les gens ont la religion des puissants? Le culte de la force nous encercle. Je n'ai de respect que pour ceux de la marge et leur recherche éperdue du bonheur. Pas ce bonheur de bazar que montrent les écrans du monde, mais cette joie de vivre arrachée à l'ordre ingrat du temps, cette fragilité des plaisirs intenses comme celui que donne le pain dans la bouche ou l'eau qui ruisselle sur le corps. Je ne sais pas si j'ai lutté comme il aurait fallu. Je n'ai disposé d'aucun manuel, mais je sais que j'ai couru aussi vite que je le pouvais, en trébuchant souvent vers un bonheur que je voulais partager. Je veux que l'on se souvienne du halètement de ma voix brisée, de mes forces perdues, de mes éclats de rire, de mes larmes et de mes rages. Et la balarte, brume. L'estran, le jusant, la tangue, la lise, le norrois, mer, marée, marée. Sable mouvant, à toi qui viens du sud, que te racontent ces quelques mots avec lesquels j'ai grandi? Moi qui suis fille du nord et de la baie, j'aime ce paysage, sans les mots pour le dire, et plus encore dans les mots le disant. Mais sont-ils seulement traduisibles?
Ces termes nourrissent mon imaginaire, comme le varech noir que je ramassais petite sur la plage engraissée le potager de mon grand-père. Au fil des ans, je les ai traduits en langue d'enfance, de souvenirs, de mauvais rêves, de bons aussi. Je les emploie de nouveau au présent, grève, brume, surtout brume. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit pour te parler de cette région, entre baie du Mont-Saint-Michel et celle de Saint-Brieuc. C'est aussi un défi, plus qu'à la traduction, à la nomination même, car brume est un mot qui ne dit que l'impossibilité à décrire. La brume absente tout. Elle rend toute ligne indécise et toute frontière. Elle fait l'azur imprécis. C'est un repos pour l'œil. Cet horizon harassé de blancheur blême où ne flottent que quelques silhouettes. Tout le reste se devine et s'imagine. Et c'est un repos pour l'âme. Ces lignes adoucies qui ôtent au réel sa réalité. As-tu un mot, toi aussi, pour cet état où les choses sont sans être, brume et gomme, elle efface le paysage dans le geste même qu'il écrit. Comment se traduit-il en langue d'Oran? Ce voile de Watt qui fait de tout un fantôme plus vif que mort. Brume, en langue d'enfance, me dit la terre nimbée d'eau, où la mémoire est oublieuse, comme aux herbes le sol est salé. Elle me dit les limbes, un pays de lente reptation des nuages au sol et des sables au ciel, accrochés aux haies bocagères, aux basses bruyères et aux genêts des landes. Brume est un mot qui marie la mort à la vie, le ciel au sol, la terre à l'air et à l'eau. Brume réconcilie et donne le goût du pardon. Aurais-je si souvent ce sentiment de manque de réalité des choses réelles et de réalité des choses irréelles sans la brume, d'où peut à tout moment sortir n'importe qui, n'importe quoi? Aurais-je si souvent écrit à la lisière, non du vrai et du faux, mais de ces deux modalités d'être, sans le mot brume. Mademoiselle Nerifot, il y a un dossier sur elle dans le numéro 3. C'est une résistante, une grande résistante à 16 ans. En 1941, elle est rentrée dans la résistante. Et Paul Éluard, après la guerre, il lui a trouvé du travail comme reporter et pour l'Humanité, pour d'autres journaux engagés, disons. Et elle est partie au Vietnam, en Algérie. Elle a amené des photos, des reportages. Elle était aussi poète. Chanson pour les Aurès. Les bracelets du mariage étaient d'argent, clairs et sonnants. Il a fallu les mettre en gage avant à un an. Les chants de notre mariage et les you-you, je les entends. Je suis en prison comme otage des képis blancs. Passé le premier nettoyage, clairs oliviers, feuilles d'argent, que restait-il de nos villages? Un peu de sang. Mes bracelets de mariage sont en acier lourd, cliquetant. On m'a écrasé le visage, cassé les dents. Aurès blessé, flammes en rage, gourbi déchiré, crépitant. Nul ne pourra vous mettre en cage, vous tuer pourtant. Nous délirons de l'esclavage, notre amour, nos ruisseaux, nos champs, déchirant le linceul des âges avec nos dents. Thank you.
تولي له في الحمامينو في الحمامينو خطرين ارتاح خطرين ارتاح هينو باولينو هينو باولينو tout à l'heure un poème que je trouve extraordinaire, magnifique, a été... J'ai découvert grâce à notre ami Yahya à Belascri un poème magnifique d'Abdelkader qui est très très beau. J'aimerais bien qu'il le relise avec Hubert. Vous l'aviez déjà lu tout à l'heure et en l'étirant. Tu répètes la dernière phrase. Non, là, c'est là, tu le répètes là. Tu l'as pas. أيا أنا من أكون إن لم أكن أنت ويا أنت من تكون إن لم تكن أنا Qui suis-je si je ne suis pas toi? Qui es-tu si tu n'étais pas moi? فيا نور بلا شمس ويا شمسا بلا نور ويا بحرا بلا حد وساحلا بلا بحر ويا ليلى بلا فجر ويا فجر بلا ويا ليلى بلا فجر. Tu es la lumière sans le soleil et le soleil sans la lumière. Tu es l'océan sans le rivage et le rivage sans l'océan. Tu es l'aube sans la nuit et la nuit sans l'aube. Ya hayrati, ya dahshati. لقد حيرتني حتى في دهشتي وفي أمري. Tu es mon incertitude et mon étonnement. Tu m'as rendu perplexe dans ma propre incertitude et mon existence. Aya ana man akun illam akun anta wa ya anta man takun illam takun ana. Qui suis-je si je ne suis pas toi? Qui es-tu si tu n'étais pas moi? كنت قاطع الويدان يا هما لا تجري كنت قاطع الويدان يا هما لا تجري يا ويلي يا ولقي الطاب
حياوي الله يجفني يا تلقات عياني تتني الغربة راني غارقة فبحور وجهة قوية فبحور وجهة قوية آه يالي فبحور وجهة قوية آه يالي راني محير والنوم مجاني من في نوران نعاني عبد الهادي الغربي إيمانويل فافيي جان-ماري بلاك روبلس كاترين بوينبر مريم غوم لور لروي Laure Chauffeur-Belger, Chloé Martin, Hubert Haddad. Yahya Belaskri.